Mesdames et messieurs, bonsoir à tous. Je dis à nous parler, retourner encore sur question QuickBooks. Je dis à nous pas trop long. Nous allons juste voir un bail qui est très important dans QuickBooks. Si par exemple, vous avez une boutique ou bien n'importe quelle entreprise que vous gérez, mais vous avez plusieurs mondes qui n'ont caisse pour vous-même et qui ont entré l'argent et pour dans la caisse pour vous-même. Ça, vous avez pour faire, vous avez pour pas capable. Et premièrement, créer un compte pour chaque. On a montré déjà comment créer un compte pour chaque. Et même si, par exemple, si vous avez géré le logiciel là, central là, ou un compte admin pour vous, et puis qu'on a capable de créer un sales représentant, c'est-à-dire un représentant de vente pour chaque monde. Par exemple, vous avez deux monde qui travaillent dans la caisse, un le matin, un l'après-midi, pour qu'on ait qui est ce monde, ça monde en vente. Quantité que le vend et quantité ça les fait et puis pour capable restreindre sur une série de questions dans le logiciel là ou va créer un compte pour lui. Premièrement, nous allons créer un compte pour chaque monde. Ça que nous allons faire, c'est capable son employeur, ça nous allons faire, nous allons aller dans la compagnie et puis nous aller dans user et puis nous aller dans setup user and roles. Et nous mettons mot de passe, nous, parce que vous créez en tant qu'admin, vous avez créé un mot de passe déjà. Et puis, vous êtes capable d'entrer, c'est ça qui peut permettre de créer un compte. Lorsqu'il est là, par exemple, nous pouvons créer un nouveau admin, un nouveau monde. Le premier monde que nous pouvons créer, on a pris les lignes et Zoé. Ok? Et sous la maison password pour lui, mon tas ou mettez sur papier tout qui est blanche, même on est capable de mettre. Et puis dans wall que on parle bali, par exemple, ça veut dire how do I modify wall. Par exemple, sur le bal tout wall ou bal tout wall, mais si par exemple, ou gen la bal wall pour créer un compte ou bal wall pour créer un compte. Et à 40, tout à 40 ans, ou gen la bali, vous voyez ici, définitivement, il est capable. À 40 ans, vous voyez le banking, vous voyez le bali, finance ou pas bali, sur le bal full accès ou bal full accès ici, et puis c'est bon. Là, on a un bal full accès. Il dit QuickBooks détecte que il n'y a pas de password, il dit pas de problème. Et soit il dit non, ou bien tout, ou dit non, non, il n'y a pas besoin de créer un password. Ou qu'on deuxième pour lui, ou par exemple Yvette, et puis on va créer un password, et puis on va également full accès. Et voilà, ou bien tout, ou restreindre on sait accès. Bon, bref, on va avoir le full accès au fini. Ok, on va créer password. On ferme ça là. Et après, on y a là, si vous voulez créer pour deux mouns, on va créer un self-représentant. On dit un représentant de votre chaque monde. On y a une analyse et puis on fait customers vendors profile et puis on fait self-représentant list. Et puis, on y a là, à partir de là, on va aller en bas, on fait. Non. Et puis, non, on choisit si vous avez un CDI employé déjà au Bali, ou bien on crée un nouveau, une série de monde qui parle, par exemple, vous avez un Zoé, on allez pour Zoé, et fini, on dit c'est sous compte dollars, c'est le compte gain, et puis, on dit order, et puis, on vient là-bas, on dit, on sort de initial. Et fini, on fait, next, on crée un autre compte pour l'autre là. L'autre là, par exemple, est tiré l'air, par exemple, Yvette. Ok? On a l'air, on crée un compte de la pour lui, on dit order, et puis, nous créons, nous fermons. Là, nous avons deux représentants de vote. Mais par contre, là, on peut faire facture. Là, on peut faire facture, il y a accès à compte. Et puis, on peut faire facture. Et fort, et maintenant, par exemple, il y a fond facture cash. Et. Si nous parlons non, nous n'avons pas été là pour paraître et en tant que représentant pour le métier non, nous avons fait facture ou fermer ou aller dans la facture côté pour créer facture. Ça que nous faisons par exemple dans la partie facture, par exemple ça là, nous pouvons créer par exemple modifier facture là pour le capable de gagner un représentant. Et ça nous fait aller dans formatting et puis aller dans customize layout. On va faire une copie, on fait une copie. Et puis dans la partie footer là, bon, par exemple là, on va pouvoir marquer le représentant.
deux représentants, il y a tout, si tu l'as démarqué, qu'on est, il n'y a pas être sous facture là. On fait OK, et qu'on est alors, les gens qui pour faire facture, ça, son facture crédit, une invoice. Les, par exemple, les gens pour faire facture, la pentrée, non là. Si c'est Zoé, la pentrée Zoé, si c'est Yvette, la pentrée Yvette. Par exemple, Zoé entre en facture, elle finit, elle va commencer par lui vendre Baccarat, et puis, il vend deux caisses de Baccarat, les fermer. Pour quel type de client, pour boss vidéo, et puis c'est bon, nous faisons. Et puis nous allons faire l'autre monde dans tout, dans l'après-midi de venir, nous allons faire une facture de cash, par les représentants, nous allons encore dans formatting, nous allons dans customize, et puis nous garder nous dans représentant, nous cocher tous les deux ça, ok, ni pour print, ni pour screen. On va. C'est-à-dire que l'appareil sous facture là. Vous dites immédiatement, on a fait facture, le représentant va être là. Si c'est Yvette qui va faire facture, cash, ils font facture cash. Ça va permettre qu'on est là, et Yvette va vendre Baccarat également. Et puis, l'aller, ils vendent, par exemple, trois Baccarat, mais cash. Et puis, ils ferment. Pour dire pourquoi, qui est-ce qui vend, qui est-ce qui va vendre, combien, si vendent, rien qui vend cash, rien qui vend crédit. Quand il y a dans le rapport, nous faisons vente, sales, et puis nous allons dans votre représentant, par exemple, sommaire. Nous cliquons sur lui, il va nous, par exemple, tous les deux mounions qui vendent. Yvette, qui vend, et ça c'est parti et crédit. Cash, la partie cash, là, quand il y a nous voyons que c'est Yvette qui vend 1980 cash. Et puis, crédit lui-même, Yvette toujours vend crédit pour 980. Par contre, nous pouvons faire pour Zoé. On y a Zoé pour aller, pour le faire, vendre parler. Ok, Zoé, on y a là, elle allait, il vend beurre, et puis, on allait dans le représentant, nous dit c'est qu'on y a là, et Zoé qui parle, qui vend. Nous facturer, et puis Zoé te vend, Zoé te vend également à crédit également, et puis, on a l'air de choisir un client qui est venu de vendre. Et qu'on y a les vendre HDD. Nous choisissons par exemple la quantité. Et puis nous choisissons qui article. Par exemple Coca. Et puis nous disons de vendre un Coca crédit à Inter. Là, on a l'air encore dans le rapport là. On a l'air de nous joindre Sales. On a l'air dans Sales représentant. Sommaire. Et puis, nous jouons qu'on y a tous les deux mounions représentés. Yvette vend pour 1900 à crédit, à cruel à la crédit, 1980, et Zoé vend pour 1470. Nous allons dans la partie cash là. Nous jouons que Yvette vend 1980 toujours en cash, et puis Zoé lui-même 1470. Tout ça, les mounions qui paraient représentants, ils vendent 13400. Donc, nous connaissons. Si nous voulons que si un mois, ils vendent, c'est ce maintenant, si c'est la journée, ouais, c'est là pour aller dans le rapport. C'était hier, nous regardons, nous jouons. C'est le journée, jeudi à là, c'est tout dé. Regardez, nous voyons que c'est jeudi à l'évent pour tout ça ou là. Voilà, mesdames et messieurs, c'est ça qui est intéressé. Nous ne pas plus trop long. Nous espérons que ça porte plaisir. Pas oublier nos petits pouces et puis abonnez si vous pouvez abonner. Bonne soirée à tous.